Donc, chers frères, nous sommes toujours, nous revenons à ce qu'on avait commencé il y a quelques semaines lorsque nous parlions de la parabole qu'Allah Azza wa Jal a citée dans le Coran, lorsqu'il a cité en exemple la mouche et qu'il a dit que si tous les idoles et ceux qui les adorent s'assembleraient pour créer une mouche, ils ne pourront pas le faire. Ce défi qu'Allah Azza wa Jal a lancé est censé nous pousser à aller découvrir la complexité de la création de cette mouche, pour dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jal lance ce défi? Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, la science a beaucoup avancé dans l'anneau numérique. On peut maintenant fabriquer des puces électroniques de l'ordre de millimètres, voire moins. Donc, on peut toujours dire oui. Donc, la science aujourd'hui serait capable de fabriquer ou de créer une mouche. Mais à chaque fois qu'on se penche sur les caractéristiques de la mouche, on se rend compte que la science est très 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 loin de pouvoir réaliser ou relever ce défi. Nous étions en train de parler des ailes de la mouche, des deux paires d'ailes de la mouche. Et nous avions parlé de la force de ces ailes, la force des battements, et de la vitesse du déplacement de la mouche grâce à ces ailes, et de la complexité de l'envol et des mouvements de la mouche qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'autres volatiles, qu'il s'agisse des insectes ou qu'il s'agisse des oiseaux. Et les mystères des ailes de la mouche ne s'arrêtent pas au niveau de ce qu'on a cité. Il y a d'autres mystères qu'on a percés et qui sont encore plus impressionnants que ce qui a été cité jusqu'à maintenant. Sachez que la mouche a la capacité de déguster les aliments, de concevoir la nature chimique de certaines molécules qui sont dans l'air. Et à partir de là, la mouche au devant, dans la partie antérieure de ses ailes, elle a des petits filaments qui sont capables de détecter les molécules chimiques dans l'air. Et à partir de là, la mouche établit une analyse immédiate de ces molécules pour savoir est-ce que ces molécules viennent d'une source potentielle de nourriture ou pas? Est-ce que je vais me déplacer vers la... Et à partir de ces molécules-là qu'il va analyser, il va savoir la direction de l'endroit où ces molécules sont venues pour pouvoir aller à la source alimentaire ou échapper de la source alimentaire. Autrement dit, la mouche, quelque part, c'est une espèce d'un laboratoire volant. Un laboratoire volant. Nous, aujourd'hui, avec l'avancée scientifique, pour analyser certaines substances, le sang par exemple en l'occurrence, tu donnes un échantillon du sang, un échantillon d'urine, et on va te dire, reviens l'après-midi ou le lendemain, parce qu'il y a des grosses machines qu'on a mis au point qui vont analyser la composition de ce produit qu'on a pris chez toi. Et on a besoin d'un certain laps de temps. La mouche, elle fait son analyse immédiatement, et en état de vol, elle peut déterminer de quelle molécule s'agit-il. Si cette molécule donc vient d'un endroit où elle peut se déplacer pour aller manger ou bien prendre sa nourriture, ou qu'il ne vient pas de prendre comme source alimentaire. Ces filaments-là, les savants les ont appelés les sensilles, pour montrer le caractère sensoriel de ces filaments, les sensilles. Et donc, ils se trouvent juste à la partie antérieure de l'aile. Regardez cette précision de la création de cet être, de cet insecte. Et plus que cela, avec cette analyse-là, la mouche est capable de déterminer la nature des insectes qui l'entourent, parce que chaque insecte a une empreinte sensorielle à travers les phéromones, les molécules qu'elle dégage de son corps. Et donc, la mouche est capable de faire cette analyse pendant son envol, avec la grande vitesse, et de savoir que là, ce sont des phéromones, des molécules chimiques qui viennent d'un prédateur potentiel. Donc, je dois m'enfuir avant de le rencontrer ou de le croiser dans mon chemin. Elle peut aussi déterminer le sexe
d'une autre mouche à travers les phéromones. Et tout ceci se passe à travers cette analyse qui passe par ces sensilles. Donc la mouche, quelque part, est un laboratoire d'analyse volant et qui donne les résultats immédiatement alors que la mouche se déplace à grande vitesse. Ceci vous montre encore plus la complexité de la chose. Est-ce que c'est le hasard qui a fait tout ça? C'est le hasard, c'est la sélection naturelle qui, à travers des millions d'années, qui a fait c'est-à-dire ce genre de création avec autant de détails, autant de précision que la science aujourd'hui est incapable ni de mimer ou incapable de reproduire, même à une échelle plus grande. Dans une revue scientifique appelée Nature Communication. Donc dans cette étude-là, il y a un groupe de chercheurs de la ville de Britannique qui a déterminé que dans les ailes de plusieurs insectes, parmi lesquels les mouches, il y a des structures, des nanostructures. On est à l'échelle nanométrique. Il est 10 puissance moins 9 mètres. Donc les ailes des mouches portent donc des petites structures aux propriétés antibactériennes. Il n'y a pas de sécrétion à ce niveau-là, mais les structures elles-mêmes ont une propriété antibactérienne. Et d'ailleurs, ils veulent s'inspirer justement de cette découverte pour fabriquer des supports qui peuvent piéger les bactéries. Autrement dit, l'aile de la mouche est faite de sorte qu'elle piège les bactéries au niveau de l'aile. Elle la piège, elle ne la laisse pas entrer à l'intérieur du corps. Et comme l'aile, elle est large, elle protège tout le corps, donc elle va piéger ces bactéries. Et ensuite, elle va déchirer l'enveloppe de la bactérie. Vu leur composition, elle déchire l'enveloppe de la bactérie. Et pour que la bactérie donc reconstruise son enveloppe, donc elle va changer sa structure tridimensionnelle. Et lorsqu'elle change sa structure tridimensionnelle, elle ne peut plus se reproduire. Elle ne peut plus proliférer. Elle est vivante, mais elle ne peut pas se produire et proliférer. Et à partir de là, la mouche va faire une analyse de la structure de cette mouche-là, de cette bactérie-là, et elle va fabriquer des anticorps qui vont être sécrétés au niveau des ailes pour tuer la bactérie ou du moins limiter sa prolifération. Et tout ceci se passe avec une grande vitesse. Regardez ce procédé, chers frères et sœurs, et regardez le procédé de la fabrication des vaccins. C'est quoi le procédé naturel, le procédé traditionnel de fabrication des vaccins? On ne parle pas du nouveau vaccin, mais on parle des anciens vaccins qui dont la science a montré l'efficacité. À la base, on prend une bactérie, on prend un virus, on le dénature, on lui dénature sa structure pour qu'il ne devienne pas pathogène. Donc on tue en lui son caractère pathogène et on maintient sa structure moléculaire. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un vaccin avec cette nouvelle structure moléculaire qui est dénaturée. Et c'est ce vaccin-là qu'on va injecter dans le corps de l'être humain. Donc ce qui va se passer, le corps humain avec son système immunitaire va reconnaître cet agent pathogène, ce nouvel agent qui est rentré à l'intérieur du corps. Il va prendre le temps de l'analyser et les globules blancs, ce qu'on appelle avec des lymphocytes, il y a des détails des lymphocytes T, il y a même plusieurs types de lymphocytes, vont fabriquer un anticorps dédié, destiné justement à détruire cet antigène qui est rentré dans le corps, cet antigène étranger qui est entré dans le corps. Et ils vont le détruire. Mais à la base, il n'est pas pathogène parce que déjà, on l'a dénaturé. Et à partir de là, le système génétique du corps va mémoriser la structure de cet agent extérieur. Il va mémoriser sa structure. Donc la prochaine fois que cet agent entre dans le corps, mais cette fois-ci lorsqu'il est virulent, lorsqu'il est pathogène, lorsqu'il rentre dans le corps il a déjà une mémoire de ce qu'il a fabriqué autrefois avec le vaccin. Et à partir de là, c'est comme s'il a une copie, c'est comme s'il a les plans de cet agent nuisible. Il a déjà les plans, donc il va fabriquer tout de suite les anticorps qui vont l'attaquer. Et là, il ne prendra pas beaucoup de temps. Et tout de suite, il va l'attaquer immédiatement avant qu'il ne se prolifère. Regardez ce processus qui est nouveau, qui a été déterminé par Pasteur. Vous savez un petit peu, c'est devenu une révolution internationale, la création ou la fabrication des vaccins. Ben, ce même principe de vaccin existe dans l'aile de la mouche
depuis des millions, des centaines de millions d'années. L'aile de la mouche piège la bactérie, il dénature son enveloppe, il analyse son patrimoine génétique et il fabrique des anticorps dédiés à détruire cette bactérie. Et elle garde en mémoire la structure de cette bactérie. Exactement la même procédure que la science actuelle a pu mettre en place. Et tout ceci est créé par Allah Azza wa Jal dans l'aile, on est dans l'aile de la mouche. Ceci, bien entendu, est quelque chose de très étonnant. Ceci est très étonnant, mais ce qu'il y a de plus étonnant que tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari rapporte sur Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une mouche tombe dans votre boisson, qu'il s'agisse de l'eau ou autre chose, plongez-la dedans, puis retirez la mouche, car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si une mouche tombe dans votre récipient, plongez-la dedans. Si c'est de la nourriture ou si c'est un liquide, plongez-la dedans, puis retirez-la, parce que dans l'une de ses ailes, il y a la maladie, et dans l'autre aile, il y a le remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith-là, il y a 15 siècles. Et imaginez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était un imposteur, hacha, pourquoi s'aventurerait-il à citer des détails aussi précis sur la mouche qui dégoûte tout le monde, au risque d'être démenti par les uns et les autres? Pourquoi il va rentrer ces détails? Il n'a pas besoin de citer ces détails pour que les gens le suivent. Au contraire, ça risquait d'éloigner certaines personnes. Et d'ailleurs, il y a certains musulmans qui ont rejeté ce hadith. Mais au lieu d'attaquer le prophète, ils ont attaqué le Bukhari qui l'a rapporté le hadith. Ils ont dit, pourquoi vous croyez à ce Bukhari-là? C'est du n'importe quel Bukhari. Regardez ce hadith dont il nous parle. La mouche qui est dégoûtante, qui est un agent qui porte énormément de bactéries. Et ils ont raison à ce niveau-là. Il dit qu'il faut la tremper, après le problème est résolu. Mais c'est quoi, vous êtes des tarés, vous les musulmans, vous croyez à des hadiths comme ça? Et ils ont critiqué le Bukhari, ils ont critiqué Abu Huraira, ils ont dit puisque c'est Abu Huraira qui le rapporte. Abu Huraira dit n'importe quoi, il imagine, il forge des hadiths mensongers que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit. Et pour les plus détracteurs contre l'islam, eux ils vont jusqu'à attaquer le prophète et attaquer tout l'islam avec ce hadith-là. Et il a fait couler énormément d'encre, pas que maintenant, mais depuis des siècles et des siècles. Et plusieurs savants ont rapporté le hadith, ils ont défendu Al-Bukhari, ils ont défendu Abu Huraira, pour dire non, le hadith est authentique, on ne peut pas remettre en cause sa validité. Et dès lors qu'on ne peut pas remettre en cause sa validité, c'est que le prophète l'a dit. Et si le prophète l'a dit, le prophète ne parle pas de sa passion, mais il parle de par ce qu'il a reçu comme message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on n'a pas la capacité de déterminer la véracité de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de le prouver scientifiquement, nous on n'y croit. Et voici que la science, maintenant en 2020, a commencé à percer le secret de ce hadith-là. Lorsqu'on dit que dans l'aile des mouches, et de plusieurs d'ailleurs insectes, il y a ce phénomène-là de nanoparticules sur l'aile qui vont justement piéger les bactéries, fabriquer des anticorps contre ces bactéries. Ça veut dire que tu as la bactérie sur l'aile et tu as son anticorps aussi sur l'aile. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore plus dans la décision où il dit dans une aile, il y a la maladie, dans une autre aile. Et il y a le remède. C'est ce que la science n'a pas encore déterminé. Mais on est en chemin. Rassurez-vous, on est en chemin. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons jusqu'à ce qu'ils soient persuadés qu'il s'agit de la vérité. Et la science est en train d'établir la véracité du Coran et la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith que je viens de citer, chers frères, c'est un hadith qui a fait couler énormément d'encre il y a longtemps, depuis des siècles, et maintenant encore plus, puisque certains ont pris ce hadith-là pour se moquer, comme j'ai dit, de l'imam al-Bukhari, pour se moquer de Abu Huraira, et remettre en cause leur véracité, et même se moquer de l'islam et du prophète de l'islam, et même parmi des musulmans d'ailleurs. Même si ces musulmans, ils ont dit non, le prophète n'avait jamais dit ce hadith-là, donc le problème réside chez le Bukhari, il réside chez Abu Huraira. À ces gens-là, on répond, déjà la science, regardez, la science est en train de démontrer exactement ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les ailes, il y a la maladie et il y a son remède. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin parce qu'il parle d'une aile où il y a la maladie et de l'autre aile où il y a le remède. Ce que la science n'a pas encore déterminé encore. Mais en tout cas, elle a parlé des bactéries qui sont sur l'aile et des anticorps de ces mêmes bactéries qui sont sur ces ailes.
Et d'ailleurs, ils ont utilisé une solution d'éthanol pour enlever justement ces produits-là. Ils imbibent les ailes de la mouche dans de l'éthanol, donc c'est de l'alcool, pour justement pouvoir extraire justement ces produits-là. Sinon, ils restent collés et accrochés à ces structures dont j'ai parlé. Et le professeur a dit donc, imbibez-la, trempez-la. C'est exactement ce que font les scientifiques aujourd'hui. Trempez-la dans le liquide, trempez-la pour que ces produits-là sortent et que le remède anéantisse, que l'anticorps anéantisse l'antigène. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ceux qui ont attaqué le Bukhari pour dire que le Bukhari a dit n'importe quoi. D'abord, le Bukhari n'a pas forgé de lui-même ce hadith. Il n'est pas d'ailleurs le seul à avoir rapporté ce hadith. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, par Ibn Majah, par le Bayhaqi, par Darimi, par Ibn Khuzayma, par l'imam Ahmed, par Ibn Hibban, par le Baraoui, par Ibn Jarud, sur Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc voici la réponse à ceux qui attaquent le Bukhari directement. Parce qu'ils font une fixation sur le Bukhari. Le Bukhari n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith. Il a été rapporté à énormément de grandes sommités, à des érudits de hadith. Et lui, il en fait partie. Deuxième, si c'était le seul, on peut à la limite dire, ben c'est le seul, donc c'est lui qui a forgé le hadith. Pas du tout. Deuxième chose, ceux qui attaquent l'imam, le sahabi, Abu Huraira radiallahu anhu, qui disent c'est Abu Huraira qui a forgé ce hadith-là pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Figurez-vous que ce hadith n'a pas été rapporté que sur Abu Huraira. Ce n'est pas que Abu Huraira qui a relevé ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Nasa'i, Ibn Majah, Al-Bayhaqi, Ahmed, Ibn Hibban, Al-Baghawi ont rapporté le même hadith sur Abu Sa'id Al-Khudri, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Bazzar, Al-Tabarani ont rapporté le même hadith sur Anas Ibn Malik, le serviteur du prophète, le valet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est resté 10 ans à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, il a entendu aussi ce hadith, soit dans les mêmes circonstances, à la même occasion où les deux autres compagnons ont entendu ce hadith, soit dans d'autres circonstances où il a entendu ce hadith, il a rapporté exactement la même chose. Donc autrement dit, on ne peut pas attaquer Abu Huraira radiallahu anhu, puisque d'autres compagnons ont rapporté le même hadith. Et comme j'ai dit, comment ces compagnons ou ces rapporteurs s'aventureraient-ils à citer ce hadith-là, alors que de par notre ressenti, on n'aime pas lorsqu'on entend la mouche, tremper la mouche et peut-être boire de l'eau, là, c'est quelque chose qui est repoussant, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Pourquoi s'aventureraient-ils à donner ce genre d'informations qui risquent de faire fuir des gens? Et surtout les faibles d'esprit et ceux qui ont une foi titubante, ils ont parfois quitté l'islam ou critiqué les grands rapporteurs de ces hadiths-là parce qu'ils ont de l'ignorance dans la tête et parce qu'ils n'ont pas fait confiance à ces savants-là et au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté ce hadith de directement de Allah Azza wa Jalla. L'autre chose, c'est que le hadith lui-même, il confirme qu'il y a du mal dans la mouche. Lui-même, il confirme qu'il y a la maladie dans la mouche. Donc il confirme cela. Mais après, il nous donne une information qui n'est pas à notre portée. Et il y a le remède. Et il a fallu qu'il y ait des moyens très sophistiqués, une avancée extraordinaire dans la science, pour pouvoir découvrir cette information. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a donné cette petite information, c'est qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné de la donner. Et fidèlement, il a transmis l'information. Au risque même de faire fuir des gens. Il a donné l'information. Mais parce qu'Allah azza wa jalla savait pertinemment que l'être humain, avec l'avancée de sa science, va découvrir la véracité de cette information 20 siècles, 15 siècles plus tard, ou même plus. Et il y a énormément de secrets dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la science est en train de confirmer jour après jour. Et c'est là où Allah azza wa jalla teste aussi notre foi et notre confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on accepte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné par rapport à certaines informations qui, du premier abord, la raison les refuse? Parce que la science, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il va dire son contraire. Aujourd'hui, il est ignorant dans une chose, demain, après-demain, d'ici un siècle, il va découvrir cette chose. Et le wahy, la révélation, elle est là. Elle vient du Créateur, de celui qui connaît le secret de ce qu'il a lui-même créé. Il nous dévoile certains secrets pour nous montrer que ces secrets-là sont des signes de son existence et des signes de la véracité de celui qui nous a transmis les informations émanant de lui, Azza wa Jal. On va donc, je vais donner quelques informations. Il y a énormément à dire sur la mouche encore, mais je me limite à ceci pour qu'on ne va pas monopoliser tous les prêches du vendredi pour parler de cet insecte, puisque ce qui a été dit est largement suffisant pour comprendre la parabole que Dieu a citée dans le Coran et pour comprendre la véracité
de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme information qui relève du miracle, puisqu'on ne pouvait pas connaître ces détails-là autrefois. En 1557, de l'ère chrétienne, la ville de Saint-Quentin, en Picardie, a été donc attaquée pendant une longue période. Et il y a un médecin, donc il y a beaucoup de soldats qui ont été touchés, qui ont été blessés, et il y a un médecin qui s'appelle Ambroise Paré, qui a utilisé les araqat, c'est les asticots de mouche. Il a utilisé les asticots de mouche pour soigner certaines blessures des soldats. Ceci a été fait en 1557. Ensuite, la même chose a été faite lors de l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte. Lorsqu'il est passé par la Syrie, il en est de même, son chirurgien qui s'appelle Dominique Larrey a découvert la même chose. Avec les asticots, on peut guérir plusieurs blessures et c'est le seul remède qu'on a trouvé pour ces blessures qui sont très profondes. Ensuite, il y a le docteur Joseph Jones, un médecin en chef de l'armée confédérale lors de la guerre de sécession, qui a constaté ceci. Il a dit exactement, textuellement, « J'ai fréquemment vu les blessures négligées, grouillantes de larves. Ces vers ne détruisent que les tissus morts et épargnent les parties saines. » Elles détruisent les tissus morts et elles épargnent les parties saines. Et durant la Première Guerre mondiale, le docteur William Beer identifie à son tour sur le champ de bataille l'efficacité de la colonisation d'une certaine larve de mouche pour guérir certaines blessures. Autrement dit, les soldats qui étaient blessés, leurs blessures étaient colonisées par une larve de mouche et ils ont guéri rapidement en comparaison avec d'autres soldats qui nettoyaient toujours leurs blessures pour que les larves n'y résident pas ou ne s'y prolifèrent pas ou ne s'y multiplient pas. Ça a été découvert aussi lors de la Première Guerre mondiale. En 1989, le docteur Ronald Sherman, médecin à l'Université de Californie, à Irvine, a créé un service pour la première fois, un service spécialisé dans le traitement par les asticots de mouche. Un service pour traiter les blessures par les asticots de mouche. Il a commencé par soigner les escarres de certains vétérans présentant une lésion au niveau de leur colonne vertébrale. Et vous savez que les escarres, pour les médecins, lorsque quelqu'un est grabataire, qu'il ne bouge pas et qu'il reste sur un côté, il y a des escarres qui vont se fabriquer sur son corps. Et ces escarres-là commencent à proliférer et donc ça peut provoquer la gangrène et on est obligé parfois de couper le membre. Donc il a découvert justement, donc il a mis en place un service pour guérir et pour soigner les escarres avec les asticots de mouche. Et lors de ces 40 dernières années, j'ai cherché dans un moteur de recherche scientifique, il y a plus de 50 articles scientifiques qui ont décrit l'utilisation médicale des asticots de mouche. Plus de 50 articles scientifiques. Et plus de 3000 médecins dans plus de 20 pays aujourd'hui utilisent cette technique. Et en 2003, 3000 traitements ont été administrés à 10 000 patients avec les asticots de mouche. Et tout cela grâce à un produit sécrétée par ces asticots-là, que les scientifiques ont appelé l'allantoïne. Et ce produit-là, en fait, c'est un antibiotique naturel fabriqué par les asticots de mouche. Et si l'asticot peut le fabriquer, c'est que la mouche peut le fabriquer, puisque comme on a dit autrefois, l'asticot, il passe quelques jours avant de devenir une mouche. Donc la science va continuer justement à creuser ces secrets-là de la mouche et va confirmer. Elle va confirmer, tôt ou tard, l'exactitude de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith que j'ai cité et qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, entre autres. Voici, chers frères et sœurs, quelques secrets de cet insecte qu'Allah azza wa jalla a cité en parabole dans le Coran, et ce n'est pas pour rien qu'il l'a cité, c'est pour nous laisser un signe pour que nous puissions, au 21e siècle, découvrir, percer les secrets de ce verset et le secret du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cet insecte.